Salut à tous et à toutes, c'est 7Fox71 et on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo sur Need for Speed Carbon, et c'est pas la suite du Let's Play, c'est pour une présentation multi, et je ne suis pas tout seul, je suis avec Sunny Bob, salut à toi. Coucou, salut tout le monde. Comment que ça va? Ah bah écoute, bien, hein, il fait pas beau dehors, mais là on est bien. Ouais, j'avoue que c'est... Ça pleuvait tout à l'heure, mais ça pleut plus là pour le moment. Ah bah je sais pas où t'es, mais chez moi ça tombe. Pas moi, je suis dans le Jura moi alors, okay, comme ça. Bon. Okay. Écoute, à Paris il pleut. Ah, à Paris, oula, oui, bah, ouais. Là-bas. Bref. Donc, vous avez une petite vidéo sur la météo. Voilà. La météo en jouant à Need for Speed. Voilà. Alors, le jeu donc, vidéo mène à tout. Alors, à principe, tout à fait spécial. Personnellement, j'ai jamais fait ça avant, des vidéos multi, enfin, ça c'est clair. Ouais, moi non plus. Voilà, bon, moi ça c'est fait. Donc on va vous présenter vraiment tous les modes de jeu, ou presque, puisque là, il est à quelle heure là? Il est 2h, et il est mardi, donc on a personne sur le multi, on est que nous deux, voilà. Donc c'est ça c'est fait. Alors, je vais te laisser m'inviter, c'est plus simple. Ah bon, c'est les filles qui invitent les gars maintenant, d'accord. Écoute. Voilà, tout à fait, voilà. Ok, bon, alors... Eh bien, ça change un peu de temps on en temps. On y va, ouais, on bouscule les codes. Alors, attends, je vais dans l'accueil. Vas-y. Qu'est-ce que j'ai fait tout à l'heure? Ami, je crois. Ouais. T'es là. Et je suis là. Ah bah oui, mais il faut que je me mette peut-être en... Attends, si je me mets pas dans la partie, ça va pas marcher, je crois. Ah, ça va pas marcher, non. Voilà, alors attends, donc partie personnalisée, je crois. Par contre, vous, gens qui regardez cette vidéo, il y a deux modes qu'on pourra pas par contre présenter, c'est l'élimination poursuite, et puis c'est quoi l'autre déjà? Un contre tous, je crois. Oui, voilà, un contre tous, tout simplement parce qu'on n'est pas assez, voilà. Voilà. C'est dommage. Oui, c'est vieux le jeu en même temps. C'est ouais, vrai. Mais vieux, mais toujours aussi fun. Ah ouais, c'est ouais. Une tuerie ce truc. Hein. Voilà, je peux t'inviter. Ah voilà, attends, j'arrive, hop. Accepter l'invitation, jeu, voilà, maintenant, ouais, on va plonger dans l'action. Ah, attends. Voilà, bah je te vois. Ah, je vais montrer ma vidéo, ma voiture aux gens. Ah merde. Ah bah oui, moi aussi, tiens, attends. Et c'est moi qui l'ai faite, hein. C'est toi qui quoi? C'est moi qui l'ai faite. C'est moi qui l'ai fait. Qui l'ai fait, faite, ouais, bref. Alors attends, oui qu'il est fait, ouais. Alors attends. Donc on a dit qu'on mettait la nitro, le détecteur de collision. Donc pour ceux qui ne savent pas, ça c'est le ralenti, le super contrôle. Voilà. Ouais, je viens d'apprendre ça moi. Faut un début à tout. Voilà. Alors attends, on fait quoi? Un sprint au départ? Non, qu'est-ce qu'on fait? Ouais, commence par le sprint. Un sprint? Tu me vois après, de toute façon. D'accord, alors c'est parti. Let's rock. Alors, le sprint, ça sera le basique du jeu de Need for Speed, ça. Ouais. On fera un sprint, peut-être un circuit, et surtout une course canyon. Ah, la canyon, ouais, parce que voilà. C'est vraiment une grosse tuerie, ce mode. C'est... Ouais. J'aime beaucoup. Surtout quand vous avez des muscles corps, c'est vraiment un plaisir, quoi, parce que vous grattez vos adversaires grâce à votre accélération. Ouais. Et ça, c'est vraiment quelque chose que... Enfin, moi, j'aime bien. Voilà, ouais. Voilà. Allez, c'est parti. Elle est belle, ma voiture. Hein. Ah, j'ai pas fait attention. J'étais pour se concentrer, mais ça a pas marché. j'ai foncé dans une cabine de bus. Voilà. Alors, les courses sprint, hein, c'est toujours le même principe que dans le mode solo. Voilà, je vais me faire bientôt doubler. Non, attends, je booste. Vas-y, booste dans le tournant. Oh putain, j'ai pris la raccourci, mais je suis complètement vautré dans la raccourci. C'est quoi ta voiture? Ah, une Mitsubishi. Non, Subaru. Non, Subaru, ouais. Subaru. J'ai pas vu la RX7. Moi, j'ai la RX7, mais elle est... le gros défaut de cette voiture, c'est qu'elle a un comportement moisi, quoi. Ah ouais. Une accélération, pardon. Parce que sinon, dans les virages, c'est bon, quoi. Ça tourne tout seul. Ah ouais, ça tourne vraiment. C'est pour ça, quand on prend les muscles au début, on est un peu. Ah t'es un peu perdu hein. On est un peu perdu parce que ça faut vraiment les tournants, ça se négocie pas du tout pareil. Par contre au niveau accélération ouais c'est vachement bien quoi. Ah ouais c'est vachement plus fun hein. Donc je pense qu'en fait il faut avoir vraiment une voiture de chaque en fonction des courses pouvoir Ah mais c'était quoi ça? T'as foncé dans un mur. Ouais. Ah faut vraiment avoir une voiture. Ouais en fonction des courses voilà, faut prendre la voiture la plus adaptée quoi.
Ouais. Bah moi je conseille vraiment les muscles, les ouais les muscle cars dans les. Non, dans les canyons, voilà, je cherchais le nom. Ouais. Surtout dans les courses avec les boss. Ah ouais ouais ouais. Oh bah là j'ai fait une vidéo, bah non je vais pas spoiler donc je vais rien dire. Tu vois là, sur Wolf j'ai mis une sacrée raclée au mec. Hein. Ah ouais. Et bah je crois qu'il s'en rappelle encore. Hein. Ouais justement pour ceux qui nous écoutent, on disait tout à l'heure en off qu'on était énervé par les gens qui se déconnectaient dès que ils voient que bah ils vont perdre la course quoi. Ah ouais ouais ouais. Ah, c'est vraiment énervant. Ouais, déjà qu'on trouve pas grand monde sur ce. Ah punaise, voilà. Ah t'es arrivé toi. Ah oui. Déjà, je me promène. Ouais. Ah, je me prends les yeux. Alors si en plus les gens ils s'amusent à tout comme ça. Ouais. Alors ce qui est sympa dans le multi. Ah succès. Ce qui est sympa, c'est que en fait on peut choisir sa course chacun son tour. Ouais ouais ouais, comme là c'est moi qui vais le droit de choisir. Voilà. Et le coup d'après, bah c'est l'autre quoi. Et donc ça c'est plutôt sympa. Voilà, tout à fait. Tout à fait, tout à fait. Alors, course radar, bah tiens, suivant, ouais, allez, une petite course radar. Ah, course radar, c'est sympa aussi. J'aime bien. Un petit peu au pif. Foundry Road, allez hop, je sais pas ce que c'est, mais c'est pas grave. Et quel est ton coéquipier préféré, tiens, en fait? Je sais pas si tu l'as dit dans tes précédentes vidéos, je sais plus. Attends, juste avant, je mets le détecteur de collision ou pas? Oh, si ça t'aide, ouais, vas-y, enfin, moi je l'utilise pas, mais ça me gêne pas que tu le prennes. Hein. D'accord, ok. Hop, mon coéquipier préféré, bah, comme je sais pas trop. On lance là ou pas? Oui, vas-y, vas-y, vas-y. C'est bon, allez hop. Il ouais. Y a qui déjà? Bah, il y a les éclaireurs, les bloqueurs et les aspiraux. Donc déjà les bloqueurs, déjà on oublie parce que je peux pas les blairer ceux-là. Ah bon? Ah, ils sont tout le temps à la traîne, ils me saoulent. Mais parce que, est-ce que tu paramètres leur voiture aussi? Tu vas, il faut améliorer leur voiture. Ouais, ouais, mais moi si tu veux, vu que je cherche à avoir les 1 million de pour la. Ouais, mais c'est gratuit. Bah, ça te coûte rien quand tu améliores leur voiture. Hein. Parce que ouais, t'as mais... déjà acheté les trucs pour toi et tu repasses pas à la caisse. Ouais mais si tu veux en fait c'est que vu qu'ils sont bloqueurs, ils ont plutôt tendance à rester je trouve en arrière de la course. Tandis que moi je prends beaucoup les éclairs ou les aspiraux puisque je trouve qu'ils sont plus devant et tu peux plus compter sur eux pour gagner en fait. Ouais. Donc Je sais pas les aspiraux Après j'aime bien prendre Mickey. Ouais. Ou comment il s'appelle pas. Colin, je crois, non, c'est pas comme ça là le. Bah je sais pas parce que du coup moi je prends le bloqueur, moi j'aime bien le premier de l'histoire, du mode histoire là. Neville, non, c'est pas possible. Oui Neville, ouais, ouais. J'avoue qu'il est pas mal, mais. Non, après il est bloqueur quoi. ouais. Et sur les courses radar, tu vois, justement, souvent les bloqueurs, ils sont ils sont en tête, enfin. Ah ouais, là, ça peut aider là, par contre. Ouais, là, ouais, ouais. C'est pas mal parce que tu le. Alors par contre, pourquoi tu veux l'activer juste avant tu vois un radar et ça marche pas forcément au moment où t'as envie que ça s'active. Oui voilà. Qu'ils réagissent mais bon. Ah je suis passé devant, cool. Ouais. Je voulais te faire un truc. Ah merde, c'est moi qui me prends. Ah non. Ouh, ah et puis quand ça va dans les courses radar. Ah là, je viens de faire une vidéo. Ouais parce que t'auras 10 secondes 10 secondes en moins chaque seconde. Ah non là j'ai déconné là. Ah oui là je pense que ça sent mauvais. Écoute tant pis. De toute façon, on fait la vidéo surtout pour présenter les différentes courses en multi aux voilà, abonnés ouais. Ou aux pas abonnés d'ailleurs. Et voilà, tout à fait. Mais c'est sûr qu'heureusement qu'on fait pas de la compète parce que là, je peux rentrer chez moi. Voilà, les petites taches blanches hein, que vous voyez sur les traces, c'est vraiment les secondes qu'elle a en moins. Ah, voilà. Oui, bah, t'es pas obligé de le dire. Je vais peut-être préciser un truc aussi qu'on n'a pas dit au début de la vidéo. Quand j'étais derrière toi pendant la course, ouais, je pense que qui regardent cette vidéo, ils ont dû dire « Oh là là, ça lag !» Non, non, en fait, c'est pas juste qui lag, c'est juste, je pense que c'est dû à la connexion qu'on voit justement. C'est un peu comme dans Call of Duty, en fait. On voit la voiture bouger dans tous les sens. Ça fait un peu bizarre, en fait. Ouais. Mais je pense que c'est la connexion qui fait ça. Et surtout encore plus dans les courses canyon, je trouve, ça fait, on dirait qu'on a c'est pas des voitures, mais des chèvres qu'on a dedans. Ouais. c'est pas l'autre qui sait pas conduire, c'est comme ça, c'est tout. Ouais, c'est... ouais. Alors, qu'est-ce qu'on a pas fait? Circuit, on fait un circuit? Bah si c'est dans l'ordre, ouais, vas-y, faites dans l'ordre, tout ce qui sont comme ça. Puis après on fera la canyon. Ouais, alors, voilà. Je prends une piste au hasard. Hein. Hop. On va se faire que deux tours. Et puis, ben voilà, on reste comme ça. C'est bon. Et on commence la partie. C'est parti. Sur Brockstreet. Ouais, je sais plus à quelle c'est. Des fois, je note celle que j'aime bien, mais là, j'ai pas mon truc à côté de moi, donc je sais pas. Peut-être dû changer de voiture. Attends, j'ai peut-être le temps, là.
Je vais prendre la Gallardo. Vas-y. À 5 secondes, hein. Non, c'est bon. Histoire de changer, quoi, de montrer d'autres trucs. Ouais. Ah oui, c'est vrai, on aurait pu montrer les voitures. Ouais, j'ai pas pensé. Chargement, ça c'est chargement, voilà. Bon, elles sont pas trop longs, hein. Il y en a qui sont longs. Là, c'est long, là. Ah, voilà, ça va. Allez. Allez, c'est parti. Ah merde, attends, j'avais perdu. Ah, j'ai fait quoi? Attends, j'ai changé ma vue de. Ah là là! J'ai changé la vue, attends, je suis complètement fermée. J'ai changé la vue de la, tu sais, de la course et j'ai pas de. Ah, je vois plus ma voiture, je vois que la route. Ah. C'est horrible. Bah, au pire, on recommence. Ah, ça y est, non, c'est bon, ça y est. Ah. C'était la gâchette en haut à droite. Ah, peut-être, je sais même pas. Ouais. Bah, écoute, tu vois. Ouais, allez, oulala. Elle va être franchement bizarre, cette voiture. Oula. J'ai pas vu ta voiture, attends. Hop, ah si, je te vois là. Ouais, bah j'ai fait une grosse couille. Il y a ceux qui vont regarder ma vidéo là, ils vont se dire oulala. Ouais, mais elle tourne bizarre là. Elle est lourde. Aïe aïe aïe. Mon dieu. Ouais. Alors. Donc le sprint a une course qui est. Bah, qui doit être présente depuis le début de Need for Speed, hein, je pense, de toute façon. Hein. Ouais, ouais. À gagner sur les deux tours, quoi, tout simplement. Quoi. Voilà. Ce qui est sympa sur celui-là, c'est que vraiment il y a tout, quoi. C'est-à-dire il y a du tuning, il y a des courses avec les flics, il y a des canyons qu'on retrouve pas partout. Enfin, franchement, il est très complet celui-là. Par contre, les courses avec. Bah, je sais pas si tu as joué à Need for Speed Most Wanted, le précédent celui-là. Je l'ai, mais écoute, j'ai pas joué longtemps. Enfin, tu vois, je l'ai pas fait vraiment, quoi. Ah, parce que j'ai trouvé aussi Need for Speed complètement énorme. Mais le gros truc, en fait, qui te choque quand tu joues à Need for Speed Most Wanted et celui-là, je parle toujours pour les poursuites de flics, hein. Ouais. Justement, ils sont pas fait chier du tout. Ils ont mis exactement la même bande son pour les flics dans le jeu, en fait. Mais tu parles de l'ancienne version ou la nouvelle? L'ancienne. L'ancienne sur PS2, là. Ouais, PS8, 360 et GameCube. Mmh. Il est sorti sur PSP aussi, mais dans une version complètement différente. Ah, tiens, d'ailleurs, est-ce que tu as essayé, ou est-ce que des youtubeurs ont essayé les versions, justement, de Carbone? Alors, je sais qu'il y a... ils l'ont sorti sur DS et sur PSP. Je sais pas si toi, t'en as testé. J'ai testé celui de Need for Speed Carbon, comment il s'appelait, On City ou comment? Oui, c'est ça, ouais, sur PSP. Ouais, voilà, mon frère l'a acheté, en fait, tout simplement. Mm-hmm. C'est pas du tout le même, hein. C'est pas, y a rien à voir. Hein. D'accord. C'est complètement différente, le jeu est complètement différent. Non, c'est pas du tout le même. Par contre, sur DS, vu que je suis pas Nintendo, c'est pas. D'accord. Enfin non, pas Nintendo, plutôt pas DS, mais. Mm-hmm. Non, j'ai jamais testé le. Je te vois même plus sur la carte. Non, bah, alors en fait, je suis en mode balade là, mon dieu. Parce que je parle et puis je suis pas hyper concentré. Ah, j'avoue que c'est pas facile, hein. Non. Parce que j'appréhende un peu de faire la fin du let's play là. Mais tu vas faire les cartes récompenses, tout ça là, tout. Tu fais juste le mode histoire. Bah, je fais un mode histoire et les cartes récompenses, je vais pas les faire en let's play, c'est trop long. Parce que tu vois, moi, quand t'avais fait ta première vidéo là, ce qui m'avait donné vraiment envie de faire le jeu, c'était ça là. C'était quand t'avais parlé des cartes récompenses. Ah ouais, mais. Alors, les challenges, tout ça, tu vois. Enfin, ça, c'est vraiment génial. C'est juste énorme, ça, je trouve. Ouais. Surtout rien que pour avoir la DMM3 GTR, quoi, c'est vraiment la bagnole référence du Need for Speed, quoi. Mm-hmm. Après, fallait faire en vidéo, c'est super long, puisque y a une carte récompense, c'est quand même faire 50 défis exploration, là, c'était quand même beaucoup, quoi. Ouais, ouais. Après, il y a tout. Je vais peut-être faire quelques défis, là, je sais pas si tu les as fait, toi, les défis. Quelques-uns, je trouve que c'est assez sympa. Hein. Ouais, j'ai aimé, hein, ouais. J'ai tout fini, bah de toute façon j'ai fini 100% sur GameCube, alors... Le drift, j'ai encore du mal, enfin en tout cas dans le canyon. Ah ouais, moi aussi. Hein. Sur circuit, je me suis accroché, donc là maintenant ça va, je gère. Mais dans les canyons, waouh, j'arrive pas à ce que tu fais. Hein. Ah bah dans les canyons, c'est pas vraiment un jeu non plus. Hein. Bah tu tombes, enfin non, t'arrives à enchaîner quand même des drifts, tu vois, moi j'en suis pas là. Ouais.
Bah, je pense pas qu'on ait le même nombre d'heures de jeu, parce que moi je te dis, hein, sur GameCube, j'ai fait vraiment tous les défis, j'ai fait toutes les cartes récompenses, j'ai fait le mode carrière 2 ou 3 fois, j'ai encore refait le jeu sur PC aussi. Ah ouais? Attends, merde. Et le changement de manette, par exemple, ça t'a pas... Enfin, je veux dire, les contrôles sont les mêmes ou pas, parce que... Ah non. Et ça t'a pas gêné pour dans cette version-là Xbox? Quand tu l'as rentré? Non, parce que tu sais, sur GameCube, c'est à peu près pareil, les boutons, là. Puis après, quand t'as l'habitude de jouer, puis de toute façon, j'avais déjà fait d'autres jeux de course dessus, cette GameCube. Xbox, donc après ça m'a pas trop gêné. Après moi je suis un peu habitué à aller sur à aller de PC, Xbox, machin truc, donc ça me Ouais mais pas. Moi je sais pas, sur Xbox, sur PC je joue avec une manette Xbox, je sais pas toi. Ça dépend. Et du coup, mais j'aime bien moi franchement la manette Xbox, moi c'est ma préférée parce que je trouve que c'est celle qu'on a le mieux en main, tu vois. Les PS3 moi elles glissent, enfin j'ai des grandes mains alors ça. Je suis un peu pressé de voir la prochaine PS3, voir ce que ça donne. Ouais. PS4, putain, 4, la manette. Ouais. Juste comme ça, par contre là je mets une course canyon parce que c'est la suite. Vas-y. Parce que sinon là on a la course poursuite, la élimination poursuite et sur le compte tous, bah ça on peut pas y faire. Non. Donc je te conseille de prendre une voiture assez puissante, mais enfin, après c'est toi qui verras. Bon écoute. Modifier les... Par contre là on peut pas mettre des nitros ni de détecteurs de collision dans les courses canyon. Ouais. Voilà, bah je pense que de toute façon les gens connaissent le principe du canyon. Bah maintenant ouais hein, si regarde bien tes vidéos. Ah les tunes, il y a quoi encore pas de canyon. Écoute, je vais garder celle-là parce que c'est la plus puissante dans mes tunings et sur cette sauvegarde là que j'ai prise, j'ai pas autre chose que du tuning donc. D'accord, je lance la partie. Ouais. Ah. Ah, j'aurais dû reprendre ma RX7 parce que j'ai peut-être été avantagé justement. Non, c'est pas grave. Par contre, il y a deux façons de gagner le canyon justement, c'est trois façons on va dire. Il y a soit faire le canyon normal donc avec les points. Mm-hmm. Le système des 10 secondes, je sais pas si tu connais ça, non? Le système des 10 secondes, c'est quoi? Bah en fait, si tu passes devant, quand tu poursuis, si tu passes devant l'autre pendant 10 secondes. Ah oui, oui. Ouais, celui qui bat tout toi là, si c'est moi qui suis devant pendant 10 secondes, bah ouais. Voilà. Oh là là, ouais, ce travail. Oh, ta voiture, elle fait je sais pas quoi là, mais c'était assez amusant. Non, bah la tienne aussi là, je te vois. Ah ouais. Alors attends. Ça surprend, hein. Par contre le démarrage, waouh, t'as pas le temps de réagir, tu t'es déjà dans la course. C'est comme tout début du jeu là, c'est pareil là. Par contre c'est bizarre, c'est que là en multi ça me choque, y a pas le système des 10 secondes justement. Oh, faut faire super attention de pas tomber dans les ravins aussi. Ouais, ah oui, parce que là c'est fini. Ouais. Et ça c'est vraiment frustrant quoi. On va pas leur montrer ça quand même, c'est dommage. Alors... Je crois que je l'ai mise la vite. Non, attends, je sais plus, j'ai une vidéo, je suis tombé. Non, on n'a pas de micro là. Hein. Non, non. Il y a une vidéo, je suis tombé au moins, je sais pas combien de fois dans le ravin. Hein. Ah ouais? Bah, je sais pas si. Ouais, je crois qu'elle avait failli cette vidéo, donc j'ai pas vu la mettre. Oh putain, j'ai regardé mon ordi là, j'ai failli foncer dans un mur. Ah, puis là, tu perds du temps, hein. Dès que tu fais la moindre fausse manœuvre, c'est fini là. Il suffit que ta voiture elle soit un peu. Ah, elle est lourde la mienne. Là. Elle va pas mal, mais elle prend l'habitude. Ah voilà, moi j'arrive, personnellement, tranquillement. Voilà, alors là, donc il y a... On va leur expliquer le système des points. Donc en fait, à la fin de la deuxième course, bah, on fait le différentiel entre les points. Enfin, quand on est dans le mode histoire, ça, des fois même on finit pas la deuxième course. Ah oui, ça arrive, le boss, ça. Si on a trop d'écart... la première et la seconde quoi. Tout à fait. Je sais pas si c'est très clair ce que j'ai raconté mais... Si si, par moi j'ai compris, en même temps je connais le truc donc j'ai compris mais... mais en tout cas c'est vraiment un mode super quoi, et quand on est dans l'histoire on est à fond dedans quoi, et la musique elle est vachement, elle colle vachement. Ah ouais, ouais, c'est stressant hein, ça. Ce qu'on fait, ah ouais ouais. Non, ne tombe pas dans le ravin, j'ai dit ne tombe pas dans le... Ah mon dieu, non c'est bon. On est vraiment crispé. Ah puis la caméra elle t'entraîne dans le vide en plus ça. Ah c'est très immersif quoi. Il a le gameplay qui change aussi en fonction de vos différentes courses. Mm. Le gameplay des voitures. Ah ouais, ouais non on s'ennuie pas. Moi je te dis j'ai fait 3 sauvegardes parce que je voulais vraiment tester au départ avec chaque type de voiture. Bon maintenant j'ai compris qu'on pouvait essayer d'avoir les 3 sur la même partie mais.
c'est vraiment sympa, quoi. T'entames pas la carrière de la même façon non plus, après. Ouais. Enfin, on peut y passer des heures. Hein. Bon, donc j'ai bien perdu, là. Mais bah, c'est sûr, en parlant de... Ouais, c'est pas facile, j'avoue. Puis là, hop, je vais mettre continue. Puis ouais, tu m'as enlevé aucun point, vu que t'étais dans le bleu, oui, parce qu'il faut savoir que si j'ai la distance pas mal, bah, elle récupère aucun point, quoi, tout simplement. Et là, ah non, c'est toi qui as une barre, tu as qu'une barre de connexion, ça fait pas beaucoup. Ah, bon. Ah voilà, ça y est, ça remonte. Voilà. Bon bah écoute, je crois qu'on a fait le tour. On en fait une pour le plaisir? Ouais, vas-y. Donc je te laisse choisir, c'est toi qui choisis. Ah bah oui. Qu'est-ce qu'on va faire? Je vais regarder ce que j'ai d'autre comme voiture. Je vais me compliquer la vie un peu. Attends, qu'est-ce que j'ai dans carrière? Dans carrière, de toute façon, ça sert à rien. Bonus. Je prends la L-suite. Tiens, mais je vais changer moi aussi de voiture. Attends. Non, je vais prendre une voiture française, attends. Perso, non, c'est pas dans perso. C'est dans les voitures. Il va faire la course avec une Kangoo. Ah, tu verras. Attends. Surprise, surprise. Ah, je vais prendre ma RX-7 là. Elle va moins vite, mais j'aime bien son look. Ah, la RX-7, elle est vraiment à coup de cœur pour moi. Ah, mais en rose, tu l'as jamais vu, hein, je suis sûr. Si, je l'ai vu la petite. Ah, oui. Tu l'as pas changé, oui. Ouais, alors on y va. Moi, je mets jamais des vinyles sur les voitures. Ah bon? Ah, j'aime bien, moi. J'aime mieux classique, mais si tu veux, en fait, c'est surtout ça me prend trop de temps, puis je suis jamais content en fait. Ah ouais, mais tu peux y passer du temps, moi, à faire. Ah ouais, c'est voiture, vrai. Ouais. Voilà, donc tu verras ma belle voiture française. Ok. Tu n'es. Ah, c'est dommage qu'il n'y ait pas beaucoup de monde, qu'on n'avait pas montré les modes de jeu, les différents modes de jeu, là. Ouais, faudrait voir si à un moment... je te dis, faudrait qu'on réessaye un vendredi soir, je pense qu'il y aura plus de monde. Ouais, ça se peut, ouais. Ah oui, elle est bien dans cette couleur-là. Ah oui, c'est vraiment une voiture française, hein. Elle avance pas. Hein. Elle avance pas, elle a du mal. C'est la Clio, c'est la Renault Clio V6. Hey, ça pas mis le j'ai oublié de mettre le turbo, on n'a pas de... Bah oui, j'ai vu ça, donc en gros, c'est vraiment en chier, quoi. Ah, merde. Je pensais que ça... qu'il y était. Bon, eh ben écoute. Ah bah oui, rien, je pédale, moi, là. Oh là là. Voilà, moi, j'avance. Elle fait la bruit. Il a fait un bruit. On dirait, tu sais, les micro-machines. Ouais, c'est un peu comme dans Mario Kart, on a l'impression de conduire les poussettes, là. C'est un peu ouais, difficile. Oui. Et la mienne, elle brille, franchement. Ah, la mienne aussi, hein. Donc c'est un sprint, donc on fait gaffe tout le monde, là. D'accord. Tu vois, ce qui est marrant, c'est quand tu passes à d'autres jeux de course, par exemple... Moi j'ai essayé le Sonic Transformed là, tu sais. Ah oui, je vois. Et ben t'as l'impression que ça avance pas, quoi, tu vois. Ah, ça se peut, ouais. Parce que là je trouve que dans celui-là, même s'il est vieux, on a une bonne impression de vitesse quand même. Encore plus avec les muscles. Ah celui-là, je suis d'accord. Ouais, franchement, oui, quand... Ouais, je trouve qu'on a les... Enfin, ça se fout tout en fait. Ouais. Et en plus les décors, ils sont sympas. J'aime bien, moi, là, quand on arrive dans le quartier chinois, tu vois, par exemple. Oui, exact. Bah même là, c'est joli la forêt, enfin, ouais. La forêt. Je pensais peut-être à Central Park, je sais pas, mais... Ah, puis comme on va pas vite, là, on a le temps de voir le paysage, tu vois. Voilà. Ce que j'aime bien dans le tout dernier, là, Most Wanted, là, c'est que tu peux... t'as des défis, genre, il faut... défoncer toutes les barrières, tu vois, faut toutes les trucs. Ah, ouais, c'est pas... Sachant qu'il faut savoir que c'est fait à la Burnout, hein. Ouais, c'est simple. Donc, si tu as joué à Burnout Paradise, tu verras tout de suite le gros rapprochement, quoi, c'est clair. Ouais. Bon, bah, j'ai gagné avec ma Clio, j'y croyais pas, tu vois. Bah, tu vois, ouais, j'étais mauvaise langue. Bon, eh ben, écoute, je crois qu'on a fait le tour, en tout cas, des courses qui étaient sympas à deux. Après, c'est vrai qu'il faudra qu'on arrive à trouver du monde pour montrer les modes de course qu'on n'a pas présentés dans cette vidéo. Oui, voilà, tout à fait. Que ça, ouais, bah là, parce que ouais, bah oui, élimination poursuite, donc je pense ça que c'est le. Ça élimine un pilote par course, hein, je pense. Hein. Peut-être. Je pense que c'est ça. Peut-être, je me souviens plus. Et seul qu'on touche, je crois que c'est un qui est. Non, attends. Bah, si, je crois que tu piques et les autres qui doivent être peut-être. Oui, ouais, oui, voilà, c'est ça. J'ai fait une fois, oui, tu suis un autre gars dans toute la ville, en fait, c'est en monde ouvert ça. Ouais. Mais je te dis, moi je l'ai fait, on était deux ou trois et c'était vraiment chiant, quoi. Enfin, faut vraiment le faire à. Quand il y a c'était tellement sympa à plusieurs au début. Hein. Ouais. Voilà, ce qui est sympa, c'est que du coup, tu peux conduire les voitures de flics. Enfin, ça change un peu, quoi.
Oui, bah tu peux la conduire aussi avec les cartes récompenses, tu sais. Oui, c'est vrai, mais parce que je l'ai acquis très très récemment. Ouais, t'es... donc je l'ai pas réussi. T'as 3, t'as la bagnole normale, t'as la... les gros 4x4 SUV là. Et l'espèce de camion aussi là. L'espèce de... de camion, il y a un défi, je sais pas si t'as vu, où tu dois échapper aux flics avec un camion. Un camion de chantier, oui, il est assez hard à avoir, oui. Oh, oui, il est... mais il est sympa ce défi-là, ouais. Mais il est dur, mais il est sympa, ouais. Ouais, ouais, ça avance rien en plus. Est-ce que tu connais, il y a aussi le jeu, il y a un jeu, moi, que j'adore, c'est le Ridge Racer Unbounded, où tu dois défoncer tous les... enfin, plein de trucs dans la course. Il est vachement sympa, celui-là. J'ai joué sur PC à celui-là. Ouais. C'est vraiment très dur, hein. Ah, mais il est... ah, j'ai dû faire, je sais pas... Je vais quitter la partie, parce que sinon, ça va lancer le jeu. Ok, ouais, moi aussi. Ouais, il est dur, surtout dès qu'on avance dans le jeu, mais franchement, il est vachement bien aussi celui-là. Ouais, j'avais essayé, j'avoue qu'il était pas mal fait ce jeu aussi, là. Ça explose de partout et tout et tout. Ah ouais, les bruits sont bien. Bah comme celui que j'adore aussi, c'est le MotorStorm à Apocalypse. Ah oui, là je pensais que t'allais dire un autre jeu, je sais pas si tu connais Split Second Velocity. Je l'ai pas fait celui-là, je le connais de nom. Eh ben, je te le conseille, je vais me l'acheter sur... ah bah tiens, faut que je regarde après, faut que je l'achète, hein, d'ailleurs. Sur Xbox, je pense que je vais le prendre, mais j'avais fini sur PC, et c'est vraiment une grosse tuerie, c'est pareil. Si t'aimes MotorStorm Apocalypse, t'aimeras le jeu, forcément. Lequel sur... alors vas-y, redis, c'est lequel? Split Second, Velocity. D'accord. Ah oui, okay. Ah oui, oui, si, je vois ce que c'est, ouais. Ouais. C'est fait un peu à la... je sais plus, ils avaient fait un autre jeu avant, je sais plus si c'était pas Pure, un truc comme ça, là. Blur. Blur, oui. Ah, aussi, oui. Ouais, il y en a pas mal des bons, hein. Ouais. Ouais. Elle a pas mal. Comme et ça. Alors, le prochain gameplay, c'est quoi, toi? Let's play, plutôt. Pourquoi? Parce que t'en parles, mais tu dis pas dans ta dernière vidéo, tu dis que tu vas en faire un, tu vas faire un nouveau let's play. Oui, bah, de toute façon, faut déjà finir celui de Most Wanted. Voilà, je recommence. sur celui de Carbon. Ouais. T'as fini Astérix, là, c'est ça? Ouais, j'ai fini de faire Astérix, ouais. Ouais, j'ai... c'était un grand moment de tristesse. Ah, c'est dur, c'est comme quand tu finis un bouquin, hein. Ouais. C'est... ouais, bah les bouquins, ouais, enfin j'ai lu Carragone. Alors que ça... non, mais ouais, le prochain let's play, bah, je pense que les gens s'en doutent, hein, forcément. Mais je dirai rien. Bah non, tu vois, moi... surprise, surprise. Ouais, j'attends. J'en ai déjà parlé aussi. Ah, ok, bon, alors je vais revoir les anciennes vidéos, alors. Ouais, ouais, notamment la première. Ah bon? Ah oui. Ah, faut que je revoie ça, alors j'ai dit la vidéo alors. Ok, voilà. Bon ben sur ce on va vous laisser. On espère que vous avez passé un bon moment et que ben on vous aura donné envie de courir acheter ce jeu qui est vraiment très très fun. Voilà. Ah ouais, qu'on se retrouve tous en ligne. Oui, voilà, qu'on soit. Voilà, franchement ouais c'est. Ouais. Bien content de faire cette vidéo aussi, moi personnellement. Ouais. Bien amusant, tu vois. Ouais. À refaire. On espère que ça vous plaira. Bah, dites-le-nous dans vos commentaires. Voilà, tout à fait. Donc, je pense que tu mettras aussi la vidéo sur ta chaîne, de toute façon. Ouais, bah maintenant on va passer au montage et puis ouais, voilà. Aux 48 heures d'upload. Ouais, c'est super long, ça. Ouais. Entre l'upload, le rendu, puis la conversion, on laisse tomber. Quoi. Ouais, j'espère que le son, tout sera bon. On va voir. Parce que là, c'est la première fois que je capte en multi, donc j'espère. Pareil. Que ça va bien passer. Voilà. On va faire à deux. Je pense que sur les deux, on va bien arriver à produire quelque chose. Voilà, ben salut. Allez, salut à tous. Ciao.